Bonjour, nous vous présentons le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Donc, on peut faire dans ce logiciel de la géométrie ainsi que de l'algèbre. Donc, un logiciel intéressant pour les mathématiques au secondaire. Commençons par regarder une première figure géométrique. Nous pouvons construire des triangles. Nous pouvons aller mesurer les angles de notre construction. On peut également les afficher ces données-là dans notre page graphique. On peut également demander d'additionner des valeurs pour vérifier, dans notre cas ici, si la somme des trois angles donne toujours 180 degrés. En bougeant les différents points de notre construction, on s'aperçoit, dans notre cas ici, que le 180 degrés est toujours respecté. On peut avoir accès à différents outils, évidemment, dans GeoGebra. On peut mesurer les angles comme on a vu, mais on peut également mesurer des distances, donc faire vraiment de la géométrie intéressante pour avoir ici une longueur associée à un segment. Un autre élément qui est disponible dans GeoGebra, c'est de lui faire tracer des courbes. Donc ici, nous avons créé deux paramètres, A et B, auxquels nous avons associé un curseur. Donc, on peut à ce moment-là prendre notre courbe et trouver son équation. Donc, on a notre courbe, l'équation qui est dans la partie algèbre de GeoGebra. Et le tout est dynamique. Donc, si je fais varier mes paramètres A et B, je peux demander à l'élève d'observer ce qui se passe et de me donner des hypothèses. Ce qui est très dynamique, donc très avantageux par rapport à la version papier. Un des éléments intéressants également de notre logiciel GeoGebra, c'est qu'il a en lui la possibilité de nous afficher le protocole de construction. Donc, si on veut faire un peu de métacognition avec nos élèves, eh bien, on sait par où il est passé pour créer sa construction, ce qui permet de l'aider dans sa démarche. Le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra est vraiment intéressant car il est puissant. Il peut être très utilisé tant au primaire qu'au secondaire, et donc on le suggère fortement aux enseignants de mathématiques.